Yes, after the beautiful performance from DJ Shoko with Baron Air, I think this end of year is going to be the end of year pregnant with a lot of good songs from the Noon Division. Ah oui, je le dis. Because of the World Cup, most of the songs that are played in Dubai, in Doha, are songs from the Noon Division. Oui. And if you listen to most of these DJs play songs now, when they do the animation, they go with these Bamoun songs, and I think this is their period. I mean. Oui, c'est leur période, c'est leur moment. Comme c'est le moment. Sorry, c'est leur moment, comme on dirait. Fadil, Aïcha, Afiatou la star qu'on a reçu sur ce plateau, ou encore... il y a une autre... Rachida Jolie. Voilà, Rachida Jolie. La revenante, Aïssa Toulasta. Effectivement. Ouais. En tout cas, c'est véritablement le moment. Hein. C'est le moment pour le Noun de se réveiller et de montrer au monde ce que le Noun a de beau. On connaissait encore le festival, etc. Mais ces derniers temps, on revisite encore le Noun à travers la musique. Oui, il faut dire que c'est parti des Mahdi Bamoun. Hein, oui. On avait des artistes qui venaient passer le temps. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Je ne suis pas d'accord. Mahdi Bamoun existe depuis Methusalem. C'est de là qu'est parti. Je veux juste te dire que ça existe depuis. C'est pas comme ça. Les musiques qui marchent, c'est pas comme ça. C'est pas par rapport à un événement quelconque. C'est ça part de un TikTok. C'est pour ça qu'on a parlé de ce que Tchakala a fait. Oui. En fait, si ça a commencé à oser fort, n'oubliez pas que. Quand Aïssa Toulasta a eu des problèmes, les premières personnes qui ont publié c'est Tchakala VIP pour parler d'Aïssa Toulasta, Flore de Lille. C'est vrai. Donc tu vois, n'allez pas chercher très loin. Donc ça, c'est un moment qu'on ne peut pas expliquer soit le succès. Vrai. Quand les gens se tarent, disent mais c'est moi qui a fait marcher telle ou telle chanson, faut arrêter avec ça. C'est pas vous, les fans, les spectateurs, les téléspectateurs. Oh non, ils ont leur truc. On ne sait pas. Peut-être que ça peut marcher à 15h, après l'autre match à 18h. Donc c'est un peu ça, mais il faut juste bientôt, travailler ça. Bientôt c'est la culture, c'est le mbam qui va se réveiller aussi. Voilà. Oh là là. Et bien, on le va très bientôt. Bien sûr. Et rassurez-vous, de ce côté, il y a le mbala, il y a plein de rythmes. Vous savez que le mbam déjà est très riche. Hein. On a la danse de Gofo Before for Bar là. Oui, là-bas c'est Bafia, c'est la danse Bafia. Il y a également les Yambassa, il y a les Sanaga, ils sont tellement... La culture mbamoua. Amel fait la talakou de mbamoua. Non, mais c'est vrai, c'est pour dire que très bientôt, ne soyez pas surpris. Vous verrez, c'est le Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des chanteurs? Sana Maendong, c'est vrai qu'il n'est plus vivant. C'est vrai que les noms que je vais citer, vous allez me dire qu'ils ne sont plus vivants, mais. Les gens qui ont marqué la culture. Oui, qui ont marqué. On a eu Betty, au moins, que vous connaissiez. Mais il y a des plus jeunes également. On a la fille de monsieur Alaka, du professeur Alaka, Doris Alaka, qui chante magnifiquement bien. Oui. Ils sont très nombreux également. Mais quand vous êtes dans le centre, je suis sûr que why phagocyte your music. Oui, avec le son, parce que ça se rapproche un tout petit peu. On n'avait qu'à voir le pas de danse, comme le sénateur le disait, deux pas en avant, deux pas en arrière, en ce qui concerne les Bafia. Donc généralement, ça c'est phagocyté avec. Je crois que c'est ça que le DJ est en train de jouer en homme. Mais on est à l'antenne, il faut lui rappeler cela. Ouais. Je suis avec ma soeur, moi, votre soeur aussi. Laure Kamga, la réalisatrice. Bon, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu ne sais pas faire dans l'audiovisuel. Parce que finalement, je sais que tu es réalisatrice. Tu es aussi professionnelle des caméras. Il y a un autre mot. J'ai été monteuse. Monteuse aussi. C'est le premier profil quand j'arrive dans l'audiovisuel. Oui. Donc, pour l'instant, le profil qui est plus en... L'actualité, c'est réalisation, production. Okay. Je suis productrice, oui, réalisatrice. Bienvenue chez toi alors. Merci, je suis vraiment contente de revenir dans la maison. Nous, on est fiers de te recevoir. Ouais. On a toujours du plaisir à te recevoir. On apprend toujours avec toi sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bonsoir à tout le monde. Non, c'est pas tout le monde là-bas, c'est Gaël. Gaël. Ça, c'est Elie Bouma. Bonsoir Elie. Bonsoir. Et Amel Flora. Amel, elle est inhabituée. Oui, donc. Quand même. Quand on parle d'Amel, on parle d'Amel. C'est la teur. Le visage est bien connu. Il est décidé à m'embêter aujourd'hui. Ok. Laure, you're here today to talk to us about a new documentary that you've produced and it's going to be published in the month of January. Am I correct? Oui, ça fait, on va dire quoi, depuis le 3 novembre que j'ai dévoilé l'affiche de mon prochain documentaire. On va dire énième documentaire, mais en autoproduction, on va dire le quatrième documentaire,
qui consacre une part belle aux jumeaux, donc principalement le rituel qui leur est réservé après la naissance. Donc c'est ça quoi, le 3 novembre, l'affiche a été dévoilée sur Facebook et la diffusion digitale est prévue pour janvier, oui, le 8 janvier 2023. La durée de ce documentaire 80 minutes, c'est un long métrage de 80 minutes. Oui, qui fait un focus sur la symbolique des jumeaux dans notre société, oui. Tous les mythes qui entourent cette grossesse jumelaire et le statut des parents. Il y a tout un rituel autour, ils changent de nom, les étapes. Mais avant, je crois, quand tu étais venu ici, tu nous as parlé d'un autre documentaire. Le Meusso. Toujours à caractère culturel, c'est une confrérie secrète des femmes, on va dire quoi, plus précisément à Banjo. Mais on en trouve dans toute la zone des Crasfé. Ça se passe comment, le choix de sujet à traiter dans un documentaire? Je vais dire que de prime abord, j'ai l'amour pour la culture. Okay. C'est-à-dire qu'en allant à la rencontre de cette culture, j'apprends. Mmh. En rencontrant des acteurs clés de cette culture, je réussis à regrouper des informations bénéfiques pour le public et pour moi-même. Donc, on va dire quoi, le déclic principal, c'est l'amour pour la culture. C'est un peu ça. Et j'essaye de regarder les sujets qui suscitent la curiosité des uns et des autres, autant au pays qu'au niveau de la diaspora. Et je continue à remercier les cinéphiles qui ont vraiment accueilli. Oui, mais c'était de comprendre. Alors, ça dit que... Tu es là avec tes équipes, n'est-ce pas? Oui. Tu viens de produire un documentaire où tu as parlé de la sortie des jumeaux. Ouais. Je veux dire, et l'autre documentaire, c'était sur... Le Meusso. Oui, au-delà des pas des reines. Voilà. Et les sujets à traiter, donc, parce que c'est délicat quand même, mais les sujets à traiter, ça veut dire que tu cherches d'abord, qu'est-ce qui inspire tes équipes et toi ou choisir un sujet à traiter dans les différents documentaires? Je vais réitérer l'amour pour la culture. Donc, on dit par exemple, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de chef traditionnel Bali, par exemple. Oui. Oui, les habits qu'ils portent traditionnels, oui. Oui. Le déclic, c'est parce qu'on veut aller à la rencontre de notre tradition, d'où nous venons d'où. On n'est pas catalogué pour une région, mais on veut aller à la rencontre de notre tradition parce que Les Blancs, ils ont leur tradition. Nous, on a notre tradition. On veut aller à la rencontre. Cette envie de vendre notre tradition. Exactement. On veut visibiliser notre culture parce qu'on estime que c'est ce qu'on a de plus cher. Et nous allons à la rencontre des personnes clés parce que nous ne sommes pas des personnes ressources habilitées à donner la bonne information. Donc, nous allons à la rencontre des chefs traditionnels, des reines, des initiés, des papas, des jumeaux. Ils acceptent comme ça les caméras parce que, généralement, chez nous, on dit... Les caméras dans le oui. J'avoue que jusqu'ici, notre équipe, on n'a pas eu des obstacles à être reçus par des personnes qu'on veut interviewer. Okay. Peut-être parce que la procédure est bien libellée. Peut-être on accompagne avec beaucoup de politesse, que ce soit le chef traditionnel, le roi Banjoun. On a déposé une demande d'audience et on a reçu l'accord de venir l'interviewer. Donc, peut-être la procédure est bonne, mais on n'a pas eu d'obstacle jusqu'ici à aller à la rencontre de ces personnes-là. Et pour un documentaire de 80 minutes, alors, ça vous prend combien de temps pour produire ça? J'avoue que la durée de production n'est pas figée. Tout part de l'implication des différents membres de l'équipe, tout part du sujet en lui-même, tout pas des sites que vous allez visiter, parce que si le site est à l'ouest, par exemple, on va traiter deux sujets, dit n'importe quoi. Oui, c'est possible comme ça, vous travaillez comme ça. Comme je viens de dire, le deadline pour moi n'est pas figé, mais les sujets sont choisis. Les sujets sont choisis et on a un conducteur pour ne pas dire un scénario, et on a des différentes étapes à parcourir. Quand on a dit faire un booking de toutes ces étapes-là, là on passe à la post-production. Tant qu'on n'a pas tous les éléments, ben, on n'avance pas. Celui-ci, nous l'avons initié en 2017 pendant le Symposium qui est la rencontre culturelle du peuple Banjoun. On a eu la chance de capter la première image en interviewant le chef Banjoun, c'était en 2017.
Et nous l'avons booké, on est en fin 2022 là, donc quasiment 2 ans, 3 ans. Donc il n'y a pas de délai pour un documentaire, on peut le faire en 5 ans, on peut le faire en 10 ans, on peut le faire en 9 ans. Tout dépend de la disponibilité des éléments. Mais pour ce documentaire précisément, excusez-moi sénateur, oui. Pour ce documentaire précisément, ça vous a pris combien de temps? Justement, je viens de dire, la première image a été capturée en janvier 2017. Donc pratiquement 5 ans. Et il va naître en janvier. En Mondovision en janvier 2023. Waouh. Donc la post-production est terminée là, on est en train juste de faire des petites finitions. Donc il n'y a pas de deadline. Et un autre sujet te prendra 10 ans. Coûteux là encore, c'est relatif. C'est relatif. Pour moi, j'avoue non. Parce qu'on se fait un chronogramme. On se fait un chronogramme à la hauteur de nos avoirs. Peut-être je vais blesser certaines sensibilités, mais je vais dire, vous budgétisez en fonction de ce que vous avez. Vous, puisque nous, on ne va pas à la rencontre des comment je vais dire, on ne fait pas un appel de fonds, nous, on fait des autoproductions. Ça veut dire que si on peut produire telle séquence en 2022, et qu'il nous faut peut-être 500 000 ou 1 million, on s'arrange à avoir ces 500 000 avant de lancer le process. Vous voyez un peu. Donc pour moi c'est relatif. Un documentaire, vous pouvez boucler avec 1 million, vous pouvez boucler avec 2 millions, plus, 3 millions. Ça dépend du sujet, les sites que vous visitez, le nombre d'équipes à regrouper. Donc vraiment, nous on le fait sans douleur parce que nous choisissons les sujets où on se sent à l'aise. Donc c'est l'accouchement facile. Bon, on va regarder la bande annonce de ce nouveau documentaire produit par Laure Kamga. Ces jumeaux ont la capacité de pouvoir vous déstabiliser. Tu peux te trouver en train de diriger quelque chose qui est devant toi, tu ne le vois pas. Le jumeau a la possibilité de voir au-delà de ce que vous voyez. C'est une grande curiosité. Tout ceci confère donc à ses parents un statut spécial. Vous avez un nouveau nom. Et puis, la maman aussi est, en quelque sorte, vénérée. Mécru. Le nom, c'est une forme de stigmate social. Et c'est celui qui sort en dernière position qui est l'aîné. Ce sont les enfants dont les noms se terminent par fac. Le garçon peut le donner le nom de Kate ou Camille. La question qu'on pourrait se demander, pourquoi on ne donne pas un nom à celui qui vient avant les jumeaux? On appelle ça la main droite des jumeaux. Dans ces mots des jumeaux, c'est d'étape en étape. On tue une chèvre, il partage. Oh, t'es martin, pas vous. Et c'est cette situation qui est pérennisée. La culture est un tout complexe qui englobe nos croyances, nos langues, nos façons de faire et qui leur donne un sens. Le rituel des jumeaux n'est pas un rituel satanique d'envoûtement. Que chacun comprenne que la chose que nous avons de plus chère, c'est notre culture. Et qui dit que notre culture est la plus chère, nous devons la préserver. Et pour la préserver, c'est d'abord les gardiens de la tradition qui doivent la préserver. Notemahak. Et là, je vois, c'est le Hachou. C'est le tarot. Bon, c'est le tarot, oui, voilà, oui, chevaux, c'est ça, mais c'est le Cameroun, en français on dit le tarot, rouge. Et c'est une étape du rituel, parce que dans ce mets-là, on a introduit une substance, on va dire quoi, mystique, qu'on appelle le bac, qu'on doit faire consommer par les parents du jumeau, des jumeaux, et on dit ça un pouvoir protecteur pour ses parents, donc c'est une séquence du rituel. Ok. Voilà. Ouais, super.
Alors, généralement, lorsque vous réalisez un documentaire, comme celui-là, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est que l'argent, donc, il faut disposer un minimum pour pouvoir se lancer dans l'aventure, parce que vous êtes porteur du projet et l'équipe doit être payée. Ils ne veulent pas savoir si tu vas vendre ou pas. Voilà, mais un cadre qui quitte Douala pour Bafoussa. Ils doivent être payés. Donc, il faut un minimum comme budget pour libérer les différents membres. C'est la principale difficulté. Pouvoir convaincre les autres à adhérer. Parce que vous avez l'âme du projet, il faut partager avec eux pour qu'ils puissent s'impliquer. Parce que s'ils ne s'impliquent pas, le résultat ne pourra rien donner. Donc voilà les différents obstacles. Maintenant, il y a la patience. Il y a la patience. En initiant un documentaire, c'est pas que demain, il me faut le PAD. Il faut aller step by step, être patient, regrouper tous les éléments et se rassurer que, en fait, ce qu'on documente va pouvoir aider vraiment le cinéphile ou celui qui est curieux à vouloir s'imprégner de ton sujet. On passe les nuits blanches pour monter aussi les nuits vertes. Nuit blanche, mais Dieu merci, à votre vitesse. Okay. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de pression. Vous faites un timing, vous dites... Vous dit 2 heures par jour, ça va. Par exemple, même, on peut même lâcher même une semaine. Quand on est bloqué dans la tête, on peut lâcher une semaine et on y revient. Donc, c'est ça, là, je vais dire l'avantage. Il n'y a pas de pression à produire un documentaire. Rassurez-vous juste que vous êtes dans l'esprit pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Quand vous ne pouvez pas vous laisser un peu en stand-by, c'est un peu ça. Il n'y a pas de pression. Alors, votre patron, c'est vous-même. Voilà, moi j'aimerais savoir, lorsqu'on parle, on a vu tout à l'heure en image là, ces rites traditionnels, ces mythes pratiquement. Alors, lorsque vous entrez dans ce domaine-là, vous n'avez pas une crainte, parce que vous êtes confronté à ces traditions-là qui ne sont peut-être pas les vôtres. Bon. J'avoue qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc, du moment où vous êtes chargé d'une onde positive, vous allez pour faire du bien. Vous n'allez pas pour créer une bombe. Vous allez pour documenter. D'accord. Bah, ce n'est pas Hiroshima. Moi, j'utilise la démarche professionnelle. C'est-à-dire, j'ai le listing de mes acteurs, je les aborde, je discute avec eux avant pour avoir une idée du sujet. Et en fait, je fais un planning. Sincèrement, quand vous allez pour faire du bien, je ne pense pas que vous deviez craindre, non. Quand c'est les acteurs qui t'autorisent. Et puis, ils sont contents qu'on visibilise la culture. Maintenant, vous pouvez aller sur le net, vous tapez le mot sou et vous êtes informé sur ce que représente le mot sou dans la population Grassfield. Alors qu'avant, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en avait pas assez. Nous, on vient être en plus. Pour la documentation, sincèrement, aucune crainte. J'ai pas besoin d'être initié. Je ne souhaite même pas être initié. Moi, je vais à la rencontre d'un sujet. Je cible les acteurs. Je vais pas rencontrer un docteur pour parler de la fabrication du pain. Non, si on parle des traditions, je vais aller vers les initiés, vers le chef. Ce sont les experts et c'est eux qui parlent. C'est pas moi. Je ne parle pas du rite. Je ne parle pas du rite. C'est eux qui parlent. Je leur donne une tribune. Maintenant, nous, on essaye de donner une suite logique en respectant les normes professionnelles pour qu'à la fin, on puisse extirper quelque chose de substantiel. Donc, crainte, non. Okay. Je n'ai que des ondes positives. Donc, moi, j'ai écouté tout à l'heure première interview avec le chef 2017. La finalisation du documentaire 2022, la projection du documentaire en 2023, ça fait pratiquement 5-6 ans, c'est assez long. Mais entre-temps, c'est-à-dire que tout à l'heure aussi, Laure, tu as dit que vous avez un conducteur. Oui. C'est vrai que pour un documentaire, s'il faut prendre 6 ans, c'est assez long, enfin, c'est mon avis. C'est assez long entre-temps, c'est-à-dire que entre l'interview de Sa Majesté et la fin du documentaire précis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets que vous pouvez entamer? Si les acteurs, les sites sont disponibles à votre portée. Absolument. Et pour parler de notre cas,
pour être précis, pour notre cas, entre 2017 et 2022, on a produit deux documentaires qui ont été déjà exploités en télévision. Mmh. On a produit le Mossou, dont nous sommes en train de parler, qui, Dieu merci, a été pris par TV5 et la télévision nationale. Mmh. Et on a produit Banga Pongo. Mmh. Ah, les morts pour des vices en route, qui a été dans la sélection officielle des écrans noirs. Ouais. Vous voyez donc 2019, Banga Pongo, 2020, le Mossou, 2022. Vous voyez donc, ça veut dire que quand vous n'avez pas des éléments, vous pouvez faire autre chose et faire autre chose. Et bon, sans publicité, moi je suis responsable d'une structure qui offre des services de production audiovisuelle. C'est-à-dire qu'à côté, on a des spots publicitaires à faire, on a des films d'entreprise à faire, donc c'est sans pub. Mm-hmm. Donc permettez-moi juste de le dire. Donc il n'y a pas de temps vide. Ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments. En dehors des documentaires, il y a d'autres activités. Il y a d'autres activités que nous faisons. Donc déjà, si tu veux parler de ta tenue, tu peux contacter l'or. Est-ce qu'on peut avoir la date exact de la sortie de ce documentaire? La sortie exacte officielle, c'est pour le 8 janvier 2023. Digital d'abord, parce que nous estimons c'est quoi, que... C'est quelle chaîne? Digital, Facebook, groupe d'abord. Fermé. Okay. C'est-à-dire qu'il y a, une contribution à donner pour accéder au groupe. Nous, on commence par le digital et après, on va aller vers les chaînes de télé. Mais pour l'instant, la sortie est prévue pour le 8 janvier 2023. C'est un plaisir d'avoir vous sur le programme. Le plaisir est partagé. J'espère qu'un jour, vous allez acquérir aussi les droits de diffusion. Why not? On est en train de travailler dans ce sens-là. Oui, on travaille dans ce sens. On va, d'ici l'année prochaine, on va rencontrer des institutions de Bretton Woods. Pour discuter avec eux. Après, il y a les financements qui vont arriver et là, on va pouvoir aussi acheter ces documentaires pour diffuser. Souhaite le meilleur pour la chaîne. Thank you very much, Lord Kamga, you are a director. Let's take the transition for our information. Like, we talk celebrity, right? Celebrity. Mm-hmm. So let's go with the transition of celebrity. Abantu.